Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, on a été faire quelques courses hier et j'avais envie de vous faire un haul, voilà, comme avant. Il va pas y avoir que des hauls sur cette chaîne, c'est déjà le deuxième. Mais en fait, on prépare un petit peu l'anniversaire de Jeanne, même beaucoup l'anniversaire de Jeanne, parce qu'on le fête ici le 27 je crois, ouais, 27 octobre, et en fait aussi le 3 novembre. Du coup, ça arrive dans pas longtemps, et il est grand temps de commencer à piocher un peu à droite à gauche de la déco. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai acheté sur Amazon, j'ai acheté plein de petits jouets en fait comme ça sur Amazon. Je lui ai pris un méga gros bac de Lego. Je vais vous faire un petit close-up. Elle adore jouer avec ça, mais clairement, j'ai payé 10 euros pour 60 Lego. 10-11 euros, je crois, pour 60 Lego. Donc, je trouvais que ça valait vraiment le coup. Elle adore ça. Elle joue tout le temps. Elle demande tout le temps qu'on construise des châteaux, des avions. Donc, honnêtement, c'est un méga bon plan. Je sais pas si vous ou vos enfants aiment les Lego. Moi, je sais que ma mamie m'avait acheté des Lego. J'ai joué une fois avec et puis j'avais plus envie de jouer. Ici, pour l'instant, ça fait déjà 2 jours et elle adore jouer. Elle jouerait avec ça toute la journée. Donc, je suis bien contente. Niveau autre jouet sur Amazon, tout ça c'est pour son anniversaire, hein, donc je vais les emballer, je vous les filme maintenant et puis je lui emballe. Je sais pas encore si je vais lui donner le 30, le jour de son anniversaire, pour qu'elle ait un petit quelque chose. Déjà les Lego c'était censé être pour son anniversaire, mais on lui a donné avant parce que je savais qu'elle allait adorer. Ou si je lui donne le 27 ou si je lui donne le 3, bref, on va essayer de regarder un petit peu. Mais Jeanne adore Peppa Pig, vous le savez. J'ai d'ailleurs commandé 3 jouets de la part de ma tante que j'ai déjà emballés, ils sont prêts pour le 27. Mais moi je lui ai pris un petit loto. Bon, c'est à partir de 3 ans, c'est pour 3 ans et plus, mais si on joue avec elle, il n'y a aucun problème. En fait, le loto c'est très simple, c'est simplement retrouver la bonne carte sur le petit carton, le bon dessin sur le petit carton. Elle avait déjà ça avec des animaux, clairement il ne faut pas 3 ans pour savoir faire ça. Donc ça, je pense qu'elle va adorer jouer avec ça. Je lui ai pris un petit livre de coloriage avec des petits jeux et des autocollants. Ça coûtait pas très cher, je crois que c'était 3 euros, un truc comme ça. Et il y a des autocollants et du coloriage à faire, donc tout ce que Jeanne aime. J'ai vu même qu'il y avait des petits jeux à faire dedans. Donc voilà, toujours Peppa Pig évidemment. Encore Peppa Pig. On vit en Peppa Pig ici. Un méga livre de coloriage avec 100 coloriages à l'intérieur. Donc ça, elle va surkiffer aussi. Et alors, un petit bouquin, ça c'était 5 euros il me semble. Voilà, il marquait 5 euros. L'anniversaire de Peppa Pig, je le trouve adorable. Je me demande si je vais pas le mettre en déco sur, sur la table où il y aura son gâteau et tout. Parce que je trouve que c'est super mignon et je pense que je vais pas l'emballer. Je vais le mettre sur sa table en déco, comme ça quand elle le verra, quand elle découvrira sa table et tout, elle sera super contente de pouvoir trouver déjà un petit cadeau, un livre. Donc ça je vais lui emballer. À mon avis je lui offrirai le 27 et le 30, on ira certainement promener ou quoi et on lui achètera un petit cadeau ce jour là mais comme c'est sur le thème Peppa Pig en fait le 27, je vous explique toute ma vie, comme c'est sur le thème Peppa Pig le 27, du coup ben, je crois que je vais lui offrir ça le 27. Ensuite toujours sur Amazon mais pour la déco cette fois-ci, j'ai pris une bougie Peppa Pig évidemment. Hop, je vous la montre sans la casser. Hop, voilà, une petite bougie comme ça. Vous avez juste la petite mèche qui est ici. Elle est super mignonne. Je vous ferai un petit close-up si vous voulez. Elle est super mignonne. J'avais peur qu'elle arrive cassée, mais elle est arrivée entière. Je vais essayer moi de ne pas la casser. J'ai pris un ballon 2. Vous pouvez gonfler à l'hélium ou à l'air. Moi, je vais gonfler à l'air. Je vais simplement l'attacher à des ballons d'hélium que j'aurais été chercher. Voilà, j'avais déjà fait ça pour son premier anniversaire et ça servira autant pour le thème jungle qu'on va faire le 3, autant pour le thème Peppa Pig, et ça servira pour les deux. J'ai pris pour le thème Peppa des serviettes et des assiettes Peppa Pig, voilà. Et pour le thème jungle, j'ai trouvé des assiettes en imitation bois. Je trouve ça plus sympa que des bêtes assiettes blanches en plastique. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à aller chercher des couverts en bois et ce sera vraiment parfait. J'avais vraiment envie de
que ce soit un petit peu plus sympa, surtout que ma nappe est blanche en fait. Je mets une nappe blanche autant pour Peppa que pour l'anniversaire Jungle. Donc j'avais quand même envie d'avoir des assiettes un petit peu plus originales. Donc j'ai pris ça. Et pour le thème Jungle, j'ai pris une bougie avec le chiffre 2. On a essayé de lui faire comprendre de souffler, sauf qu'elle n'a pas envie. On lui a mis une petite bougie devant elle et elle n'a pas envie de souffler. Donc peut-être que dans l'ambiance et tout, avec papa et maman à côté pour lui montrer de souffler, elle va peut-être souffler. Mais honnêtement, deux ou trois jours, elle a pas voulu souffler du tout. Ensuite... On va d'abord faire action. J'ai acheté, je reviens dans le champ, j'ai acheté pour faire un DIY un pistolet à colle. J'avais jamais utilisé ça de ma vie, mais c'est super simple. Hein. Il y a une petite notice, mais bon, il n'y a pas besoin de notice. Hein. Vous rentrez le tube de colle ici et vous faites chauffer, vous pressez, la colle sort par là, voilà, basta. Par contre, la prise n'est pas très longue, donc ça, il faut prévoir une rallonge, mais c'est pas grave. Il coûte 2 euros et vous avez deux bâtons de colle à l'intérieur, donc ça va super vite, un bâton de colle. Donc prévoyez peut-être des bâtons de rechange. En plus, pour le bâton de la cour, moi, c'était pour faire deux DIY hier pour son anniversaire aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des petites photos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est tout simplement le chiffre 2 que j'ai découpé dans un carton, que j'ai peint avec de la peinture acrylique, toujours de chez Action aussi, qui m'a coûté 1 ou 2 euros. Il y avait pas mal de couleurs, il y avait une chouette couleur militaire, un peu kaki comme ça, elle était super belle. Bon, évidemment j'ai pris la blanche, comme ça je faisais une base de blanc, et ensuite je suis venue coller des fleurs que j'avais achetées sur Amazon pour le thème Jungle, et j'ai acheté des petites fleurs chez Ikea pour le thème Peppa Pig. Du coup, vous allez voir, je vais vous mettre les photos juste ici. Je trouve ça vraiment super beau. Ça m'a pas coûté grand chose. Et voilà, j'ai fait un petit truc de déco en plus. Avant que j'oublie, parce que je sens que j'ai oublié, j'ai acheté un super coussin à la Maison du Monde. Il est magnifique. Bon, évidemment, la couleur, à mon avis, je suis même pas sûre qu'il rentre dans le champ complet. Je l'adore, il est en velours, il est adorable. Enfin, j'allais dire qu'il était adorable, mais oui, il est adorable. Il a coûté 19,90€, donc moins de 20€. Vous avez la housse plus le coussin à l'intérieur, parce que faites attention, parfois à la Maison du Monde, il y a le prix de la housse, mais le coussin à l'intérieur n'est pas compris. Donc faites gaffe. Regardez bien, ouvrez la tirette pour voir s'il y a une étiquette sur le coussin à l'intérieur. Ici c'était 20€ pour l'ensemble. Du coup je l'ai pris et je l'aime trop, je l'adore. Ça apporte une touche de couleur en fait à mon salon que je n'avais pas. Tout était gris, blanc, très 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 neutre. Et donc ça apporte vraiment une touche que j'adore. Vraiment je suis en amour pour mon coussin depuis hier. Chez Action toujours, je lui ai pris un petit kit pour faire de la pâte à modeler. Donc vous avez 4 pots pour faire de la pâte à modeler. C'est 3 ans et plus, mais vous pouvez faire avec votre enfant évidemment sous surveillance. C'est un petit kit pour pouvoir faire des petits animaux de la ferme. Ça coûtait pas grand chose, hein. Honnêtement, je crois que j'ai payé ça 5€. Ça vaut ce que ça vaut, on verra bien. Et j'ai vu aussi, si ça vous intéresse, il y a le château pour faire les glaces avec la pâte à modeler. Il est à moins de 10€ chez Action. Moi je l'avais vu, je voulais l'acheter pour Jeanne sur Amazon. Et sur Amazon il était à 15 ou 16€. Donc si vous avez un Action près de chez vous et que la pâte à modeler ça vous intéresse pour offrir votre enfant, parce que moi je vous dis que Jeanne elle adore la pâte à modeler, sachez que chez Action les 7 sont moins chers. Donc je pense même que je vais aller lui acheter le 7 pour faire les glaces de pâte à modeler. Mais sinon celui-ci il coûtait 5€, donc ça je vais lui emballer. Et je pense que ça du coup je vais lui offrir le 30. Comme ça elle aura un petit quelque chose à faire ce jour-là, le jour de son anniversaire. Pour le thème Peppa Pig, j'ai pris du papier cadeau coloré, que je trouve très sympa. Je pensais que j'avais encore du papier cadeau style carton. J'étais persuadée que j'en avais encore. Je vais aller revoir dans ma chambre. Je pense que je dois encore en avoir. Mais hier, je ne l'ai pas trouvé. Bref, c'est pas grave parce que je voulais un papier carton très simple pour le thème Jungle que j'allais emballer avec de la petite corde comme ça de chez Ikea que j'ai acheté hier aussi. Mais je ne retrouve plus le rouleau. Bref, ça c'est une autre histoire. Et donc, on a acheté ce papier cadeau aussi pour le thème Peppa Pig. C'est dans les couleurs et ça coûte pas très cher chez Action. Chez Action toujours, j'ai pris
mes cartouches. Les Epson 29, sachez que j'ai été scotchée. Chez Action à Soigny, je les ai payés 9 euros, 9,90€, 9,99€, un truc comme ça. Et au Action de Manage, j'ai été à Manage pour celui-ci, j'ai payé les cartouches 7,49€. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est moins cher aux actions de Manège qu'aux actions de Soigny. Peut-être qu'ils ont modifié le prix à Soigny aussi. C'est possible, j'ai pas été vérifiée. Mais moi, j'utilise plein de cartouches. J'imprime plein de choses pour le boulot, pour la comptabilité aussi. J'ai besoin d'imprimer des choses. Donc, elles me servent beaucoup. Et j'ai eu plein de retours d'ailleurs quand j'avais acheté la première fois ces cartouches-ci. J'étais nombreuses à me dire que chez vous, ça fonctionnait pas, ou votre imprimante avait calé, ou ça avait bouilli votre imprimante. Moi, j'utilise. À chaque fois, mon imprimante me dit « Attention, vous n'utilisez pas des cartouches de la marque Epson. Est-ce que vous voulez quand même continuer ?» Donc, vous mettez « Oui » et ça fonctionne. Moi, j'ai aucun problème. Donc, clairement, 7,49€ pour 5 cartouches, je peux vous dire que c'est vraiment très, très, très rentable. À l'allure que moi, je les utilise, c'est vraiment très rentable. Et chez Action, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris un petit rouleau à peluche parce que ça, j'en ai tout le temps besoin. J'ai tout le temps plein de vêtements qui pluchent. Je me suis acheté un chouette pantalon noir chez Zara, je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Non, je ne vous ai pas montré. Un chouette jeans, pas de def. Ça faisait longtemps que j'avais plus porté de pas de def et là je l'adore, sauf qu'il prend les pluches à mort. Donc je me laisse toujours un rouleau dans ma voiture, un rouleau à la maison et limite je mettrais bien un rouleau dans mon sac parce que je bouffe du rouleau à pluche, c'est incroyable. J'ai pris chez Action des couverts en plastique pour le thème des papilles. Je vous ai dit parce que pour le thème jungle, je vais essayer d'avoir des couverts en bois. Mais il n'y avait plus de petites cuillères. Donc il faut absolument que je pense à racheter des petites cuillères. Donc j'ai pris 2 paquets de fourchettes et 2 paquets de grandes cuillères du coup. J'ai pris, ça c'était chez Action aussi, des petits feutres. Voilà, tout simplement, il y a 10 pièces. Je ne sais même pas au vert. J'ai acheté des crayons aussi à Jeanne chez Flying Tiger. C'était 4, non 6 je pense, 6 crayons gras pour 4 euros. Ils fonctionnent très très bien, c'est des très gros crayons. Et ça c'est des feutres. Voilà. Mais ils sont peut-être beaucoup trop fins en fait, pour Jeanne. Ouais, ils sont très très fins. Donc tant pis, je vais peut-être les garder pour moi. Parce qu'elle va peut-être avoir du mal à colorier avec, parce qu'en fait les pointes sont très 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 fines. Donc je vais voir, soit je les garde pour moi, soit je lui donne, mais quand elle dessine avec moi pour pas en mettre partout. Parce que sinon elle m'en a déjà mis sur le canapé, donc c'est pour ça que je précise. J'ai pris un petit box comme ça, en bois, tout simple, qui m'a coûté 2-3 euros je crois. Il y avait aussi un sur roulette. Mais celui-là, il était à 5 euros, il me semble. Sachant que des roulettes, on en a. Donc au pire, si je veux des roulettes, je demande si on m'en mettre, m'en placer. Et il y avait un petit texte ici, je crois. Il était un petit peu mieux fini pour 5 euros. Mais sinon, pour 2 euros, j'ai pris celui-ci. Et en fait, c'est tout simplement pour pouvoir mettre les Lego que je vous ai dit que je lui ai acheté. Parce que pour l'instant, ils sont dans un sac. Alors, Jeanne adore fermer le sac des Lego et aller balader avec. Alors elle m'a dit au revoir, elle s'en va avec ses Lego. Je vais pas faire ses courses. Donc je pense que je vais lui laisser aussi là-dedans. Mais voilà, de toute façon ça servira pour ranger ses jeux dans le salon. C'est toujours plus joli que des jeux qui traînent partout. Donc voilà, j'avais quand même envie d'une petite caisse en bois comme ça pour ranger ses jeux. Et ensuite j'ai trouvé un truc et ça je vais aller en racheter. Et si vous avez un Action près de chez vous, foncez parce que moi il n'y en avait plus que 2 ou 3 paquets et je ne sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un. C'est en fait une lampe LED en blanc chaud. Donc c'est pas blanc blanc, c'est blanc chaud en corde jute. Et ça c'est juste déjà pour faire les photos, des photos Instagram pour les photos de Noël. Ça va être juste canon, vous imaginez le truc. Ça va être juste canon. Donc c'est sur pile, ça c'est top. Hop, et alors c'est une corde tout simplement. Et à l'intérieur vous avez des LED. Je vais aller mettre des piles et je vous montrerai. À l'intérieur vous avez des LED et ça vous éclaire la corde. Donc ça je vais prendre pour le thème jungle, pour mettre sur la table je pense. Ça va être super beau et ce que je vais faire c'est que je vais aller en racheter. Parce que c'était, je vous dis, 2 euros je crois. Et il en restait plus que 2-3 paquets. Donc clairement, je vais aller la racheter. Je crois que je vais prendre tous les exemplaires parce que ça peut très bien faire office de déco
pour donc l'anniversaire de Jeanne. Je vois très bien ça sur mon échelle là derrière, le soir, pour que ça éclaire un petit peu. Je vois très bien ça aussi pour faire les photos sur Instagram pour cet hiver, pour les fêtes et tout. J'adore ce truc. Et clairement, ça coûtait trois fois rien. Je suis trop... Enfin, je crois que c'est le meilleur achat d'hier. J'ai adoré trouver ce truc chez Action. Et toujours chez Action, je me suis pris, comme d'habitude, un bac. Voilà, tout simple. Pour ranger les vêtements de Jeanne, pour pas trop grenier, une fois que ces vêtements sont trop petits. Il y en a que je vends sur Vinted. Et il y en a que je garde, évidemment, sur un deuxième enfant, sinon jamais. Et j'ai Flying Tiger, donc je vous dis, je lui ai acheté des crayons. La boîte est comme ceci. J'ai plus les crayons parce qu'ils sont rangés, mais la boîte est comme ceci. Donc c'est vraiment des crayons, ils appellent ça comment ? Crayons de cire. C'est par 6, c'était 4 euros. Et 4 euros, il me semble. Ouais, 4 euros. Et franchement, ils fonctionnent très très bien. Ils sont bien gros, donc il y a une bonne prise en main. C'est vraiment très chouette. Et ensuite, j'ai pris 3 carnets. Alors, la première couleur, évidemment, voilà, la même couleur que mon coussin. Si ça, c'est pas pour moi, cette couleur. Donc, c'est un tout petit carnet comme ça que je pense mettre dans mon sac à main pour quand je dois noter un truc, ou si j'ai une idée de vidéo, ou si on m'appelle pour quelque chose et que j'ai rien sous la main pour noter. Du coup, je l'adore. Clairement, je l'adore en velours comme ça. Je le trouve tellement, tellement beau. Même en déco, sur la table, je trouve qu'il est canon. Juste canon, j'adore la couleur. J'ai pris un autre carnet comme ceci pour mettre des idées de vidéos, tout simple. Voilà. Je sais plus combien il était, mais c'était trop fort rien. C'est peut-être 2 euros, ça, je crois. Très mignon aussi. Je vous ferai de toute façon des close-up. Hein, parce que là, je vois absolument rien, j'ai pas de retour écran. Et j'ai pris déjà mon agenda pour 2020. Parce que j'ai déjà des collaborations où on me demande des dates pour décembre. Donc je me dis que janvier va très vite arriver. Donc voilà, j'ai pris un agenda que je trouvais très sympa. Tout simple, moi j'aime bien les agendas pas très simples pour 2020. Et ensuite chez Ikea on a acheté un nouveau tapis pour le salon. Je vais vous faire un close-up toujours parce que ça manquait de chaleur, j'avais toujours froid aux pieds. Et j'avais un simple tapis de jute en fait au salon et ça manquait clairement de chaleur. Du coup j'ai repris un tapis très clair. Il était en promo à 49 euros. Clairement, j'ai pas envie de mettre 200 balles dans un tapis au salon. Pourquoi ? Parce que on n'enlève pas nos chaussures quand on rentre dans la maison. C'est une habitude qu'on n'a pas pris. Et du coup, on va sur le tapis. Là, je suis en chaussures sur le tapis. Donc, on va sur le tapis en chaussures. Jeanne aussi, pareil. Quand elle mange un biscuit ou si elle renverse un truc, ou le matin, quand Simon boit son café ou quoi devant la télé, si elle renverse, ça me rendrait malade de faire une tâche sur le tapis à 200 balles. Donc, clairement, tant que Jeanne est petite, j'ai pas envie d'investir dans un beau tapis. Et clairement, je vous conseille de le faire pour ne pas vous rendre malade si vous avez des enfants, de pas acheter des trucs trop chers. Parce que sinon, vous allez pleurer si il fait une tâche et l'engueuler pour rien parce que ça reste un enfant. Il fait des tâches, nous-mêmes on en fait. Donc voilà, on a pris ça. J'ai pris des serviettes pour le thème Jungle et pour la maison en général. J'ai pris des grandes et des petites. J'ai pris deux coussins. Alors c'est pas le même, ici c'est plus orange terracotta. C'est vraiment une couleur que j'adore, le coussin, parce que c'est ça me fait penser vraiment au Maroc, cette couleur. Ici c'est vraiment plus rouge brique. Et ça, je pense que je vais les mettre dans sa chambre. Je vais aller voir si c'est pas la même couleur que son Tipeee. C'était 5 ou 6 euros, je pense, la housse de coussin 50-50. Donc on verra bien. Si c'est trop rouge, je donnerai à ma maman. Parce que ma maman, elle adore le rouge. Mais je pense que ça ira très bien dans sa chambre. Avec la couleur de son Tipeee, à mon avis, c'est quasiment la même couleur. Donc ça ira dans sa chambre. Dernière petite chose, on a pris ça chez Ikea. C'est trop de la bombe. C'est des gingerbread. C'est des petits, des petites pâtisseries, des petits, des sortes de petits biscuits à la cannelle. J'aime pas du tout la cannelle, mais honnêtement, c'est vraiment bon. Et Jeanne adore aussi. Donc, ça coûte pas très cher chez Ikea. Et en plus, je trouve le paquet très mignon. Hop, c'est tout.
tout pour les achats de ce haul-ci. Il n'y aura pas que des hauls évidemment sur la chaîne, même si ça fait deux de suite. Pour celles qui adorent les hauls, évidemment, ça va vous réjouir. Pour celles qui aiment moins, on se retrouvera dans la vidéo prochaine, qui sera certainement un vlog. Je devais vlogger normalement hier, parce que j'avais, donc hier mercredi, parce que j'avais donc une personne qui venait en fait m'enregistrer pour faire un podcast, pour raconter l'histoire sur la grossesse, et voilà, puis j'ai eu le comptable, enfin j'ai eu des choses qui ont fait que j'ai pas su vlogger. Je devais aller à Bruxelles au soir pour un événement, au final Simon était crevé, j'avais pas envie de lui imposer ça non plus, donc on n'y a pas été, mais mercredi prochain et jeudi prochain j'ai quand même deux events et j'ai envie de vous partager ça, de vous montrer un petit peu ben voilà ce qui va se passer et où je vais surtout. Du coup, j'espère que ce haul vous aura plu quand même. Et si pas, de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement un vlog. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt !